monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mes cheveux tout nus, donc c'est-à-dire sans produit, sans gel, sans après-shampoing, sans masque, sans rien du tout. Donc là, je viens juste de laver mes cheveux. Donc vous allez voir à quoi ressemblent mes cheveux quand ils sont sans produit. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que je vais tester plusieurs produits dans les prochains jours. Et du coup, j'ai envie que vous voyez à quoi ressemblent mes cheveux avant et les cheveux après, comme ça vous voyez vraiment que l'effet qu'a le produit sur mes cheveux. Comme ça vous pouvez faire une comparaison tout simplement. Donc on va enlever mon t-shirt parce que mes cheveux sont encore humides là. Je pense qu'ils sont à 50% secs. Mais bon, on va voir. Donc voilà mes cheveux. 100% naked, donc sans rien du tout. Ils sont hyper légers, vraiment super légers. Au niveau de la définition des boucles, elle est là quand même la définition. Quelques frisottis, mais sinon ça va. Donc j'ai lavé mes cheveux avec du black soap, donc c'est du savon noir africain. Mais sous forme de gel un petit peu. C'est pas vraiment le savon liquide ou solide. C'est une sorte de gel. Donc j'ai utilisé ça. Et en fait c'est un savon qui contient aussi du karité je crois. Et de l'huile de coco. Donc c'est pour ça que la texture est un peu comme du gel en fait tout simplement. Donc ça hydrate les cheveux un petit peu. Donc c'est pour ça que mes cheveux sont pas ultra secs. Et donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux quand ils sont 100% nus. Alors, pour ceux et celles qui se demandent quel est mon type de cheveux, j'ai un 3C 4A. J'ai une majorité de 4A sur mes cheveux et j'ai du 3C en fait devant. Voilà. Donc là, on a du 3C et du 4A, c'est plus derrière. Donc les boucles, elles sont un peu plus resserrées derrière. Mais bon, voilà ce que ça donne. Donc normalement j'ai un peu plus de shrinkage parce que là ils sont encore un petit peu humides. Donc normalement les cheveux vont encore rétrécir, ils vont venir comme ça. Donc je déteste le shrinkage, je trouve que j'ai les cheveux trop courts comme ça, mais bon c'est pas grave. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Donc voilà mes cheveux 100% secs et 100% au naturel. Donc ils sont complètement secs enfin. Je crois qu'ils ont mis à peu près 2 heures pour sécher. Donc ça va. Voilà ce que ça donne. J'ai pas tellement de frisottis. À vrai dire, j'ai vraiment attaché mes cheveux comme ça et c'est tout. Donc comme je les manipule pas, il n'y a pas de frisottis. Donc là voilà, c'est ce que ça donne. Ça donne un afro très 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 frisé. Et voilà. Donc le shrinkage est au maximum. Vous voyez à quel point mes cheveux sont courts. Ils touchent même pas mes épaules en fait mes cheveux là. Et donc la plupart du temps ce que j'aime faire c'est les étirer un peu pour gagner à peu près ça de longueur. Donc voilà c'est ce que je fais d'habitude et je gagne ça au niveau de la longueur. Mais bon, voilà ce que donnent mes cheveux sans rien du tout, sans produit, sans les étirer. Cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je teste des produits en particulier, laissez-le moi en commentaire et on se retrouve pour une autre vidéo où je testerai un produit. Je vous fais plein de bisous. Peace! Bye!